Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Nouveau glitch solo, duplication, très facile à faire. Et même, je dirais même pour les pauvres, d'accord? Vous avez juste besoin du complexe, d'un garage, et en a assez. Et d'une Eligi custom rétro, donc faites avec une Eligi de chez Beniz pour gagner max d'argent à la revente. Sinon les autres véhicules, vous allez rien gagner, vous pourrez pas les revendre. Donc au début, on va commencer au complexe. Vous verrez, la manip elle est très facile si vous respectez les étapes. Et à force de le faire, vous allez vraiment être rapide. Donc environ un véhicule toutes les 4 minutes. Si vous n'êtes pas abonné les gars, abonnez-vous. Un petit pouce, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On va se rejoindre dehors du complexe. Donc, on va jouer avec les apparitions. Vous allez modifier les apparitions. Il faudra que vous ayez des RH8 et la Eligi Custom Retro qu'on veut dupliquer dans un garage. Donc, exemple, dans un garage 10 places. Peu importe le garage, tant qu'il y a une Eligi et une RH8. Allez, c'est parti, on va appeler le mécano, on va demander la RH8, donc moi je vais faire ça dans le garage 42, d'accord? Je vais bien retenir ce garage, comme ça je ferai que les switches là-dedans. Donc voyez ici, j'ai la custom et des RH8, j'en ai deux. Je vais vous en faire deux. Donc je vais demander ma custom. Ensuite, il va falloir changer l'apparition. Il va falloir mettre l'apparition dans le garage où j'ai pris la custom. Donc moi, ça va être dans le garage 42. Voilà. Et c'est bon. Donc après un moment, on va faire PS et on va rejoindre un ami. Donc aussi, il ne faut pas que j'oublie de vous dire qu'il faut une plaque Ifrit ou custom. D'accord? C'est des plaques sales. Et les véhicules auront toujours la même plaque si vous ne mettez pas une plaque custom. Pensez à mettre une plaque custom, c'est obligatoire. Sinon, ne faites pas le glitch, il y en a d'autres. Donc là, vous voyez, quand on fait PS, on va aller dans rejoindre un ami. Vous avez un chargement en bas. Vous refusez ce message. Vous faites un petit test avant. Comme ça, ça va accélérer le chargement. Là, maintenant, j'ai complexe plein. Je vais valider. Dès que j'ai la cinématique, boum! Rejoindre un ami et je spam X pour valider les messages. D'accord? Attendez la cinématique, mais au tout début de la cinématique, vous faites PS, deux fois PS, vous faites rejoindre encore votre ami et vous le rejoignez dans n'importe quelle session. Vous spammez un peu X pour les messages, vous faites ça rapidement et vous allez apparaître dans votre garage 42. Bon, pour moi, c'est le 42. Et dans ce garage, j'aurai un menu où je pourrais switcher les véhicules. Ça voudra dire que le glitch a marché. Ou sinon, vous recommencez la manip. Essayez d'être bien synchro. Donc, vous validez le message complexe. Dès que vous voyez la cinématique de complexe, vous faites deux fois PS, rejoindre un ami encore une fois. Et faites à chaque fois le test de rejoindre un ami. Ça permet que la deuxième fois, le chargement est très rapide. Donc c'est pas plus dur les gars, tout le monde peut réussir. Pas besoin d'avoir de bunker, club de motard ou quoi que ce soit. Voilà, donc là j'ai le menu. Je vais switcher sur une RH8. 0$ que je perdrai. Et là j'aurai une custom. Boum. Il y en a assez les gars. Et vous avez juste à recommencer ce manip. Donc là je vais changer mon apparition. Je vais mettre apparition complexe. Je vais changer de session.
et je recommence la manip. J'appellerai le véhicule qui est ici custom. Je remettrai mon apparition. Et voilà. Donc je vous laisse bien déguster ce glitch, les gars. Je vous fais des grosses bises. À très vite. Ciao, ciao. Thank you.